Sur la mort, bien que ce ne soit pas une méditation que l'on puisse trouver dans le livre des exercices spirituels de Saint Ignace. Saint Ignace lui-même, dans un autre document, qui est un directoire à ses prêtres pour la prédication des exercices, il a dit, s'il semble à celui qui donne les exercices d'être commode pour les bénéfices de ceux qui les font, d'ajouter à ces dits, à les méditations dites sur les péchés que nous avons déjà médités, d'autres méditations comme sur la mort et d'autres peines de péché, de jugement ou autres, ne pensez pas que cela soit interdit, même si elles ne sont pas mises ici, dans les livres des exercices. Et nous devons voir que pour Saint Ignace, la considération de la mort, que nous allons faire maintenant, n'est pas seulement un appel à l'attention ou une ressource psychologique ou existentielle, mais elle doit être considérée comme une conséquence du péché. C'est-à-dire que la méditation sur la mort nous aide à comprendre plus profondément la signification du péché, de la même manière que plus tard nous le ferons aussi dans la méditation sur l'enfer. Et en effet, la mort doit être considéré comme une conséquence du péché. L'Écriture dit que Dieu n'a pas fait la mort. Cela ne signifie pas que l'homme n'est pas mortel par nature. Il est depuis l'instant de sa création. Mais Dieu avait ordonné qu'il ne devait pas mourir. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde, comme dit Saint Paul. Aujourd'hui, nous devons passer par la mort pour entrer dans l'immortalité. Et cela fait partie de la punition pour le premier péché de nos parents que nous avons déjà médité. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle trois vérités sur le mystère de la mort. Il dit comme ça le catéchisme, le nombre 1006. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. C'est le Concile Vatican II. Gaudium et Spes. En ensemble, la mort corporelle est naturelle, mais pour la foi, elle est en fait salaire du péché. Et pour ceux qui meurent dans la grâce de Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir participer aussi à sa résurrection. Ce sont alors trois choses. D'abord, la mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps, au cours duquel nous changeons, nous vieillissons, et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, dit la Sainte Écriture, avant que la poussière ne retourne à la terre selon qu'elle était et que le souffle ne retourne à Dieu qu'il avait donné. Le livre du Coëlette. En deuxième place, va dire le catéchisme, la mort est conséquence du péché. Interprète authentique des affirmations de la Sainte Écriture et de la tradition, le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu créateur, et elle entra dans le monde comme conséquence du péché. La mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait
s'il n'avait pas péché, et ainsi le dernier ennemi de l'homme a devoir être vaincu, comme on dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Troisième vérité que rappelle le catéchisme sur la mort est transformée par le Christ. Je suis le Fils de Dieu, a souffert lui aussi la mort, propre de la condition humaine. Mais malgré son effroi face à elle, il l'assuma dans un acte de soumission totale et libre à la volonté de son Père. L'obéissance de « Je suis » a transformé la malédiction de la mort en bénédiction. Bien, pour commencer notre méditation, faisons la prière préparatoire que Saint Ignace indique pour tous les exercices, qui consiste, comme il dit, à demander à Dieu notre Seigneur que toutes mes intentions, toutes mes actions et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. Nous demandons que tout ce que nous faisons en ce temps de méditation, avec notre intelligence, avec notre volonté, avec notre mémoire, notre imagination, nos affections, nos sens extérieurs, avec tout notre être, que tout soit pour la gloire de Dieu et le plus grand bien de notre âme. Comme composition de lieu, nous pouvons utiliser les jours de notre mort comme composition de lieu, en nous imaginant froid à l'intérieur de notre sarcophage, entouré de notre famille, de nos amis qui se souviennent de nous, de chacun de nous, et notre âme devant Dieu, en rendant compte de chacune des décisions que nous avons prises dans notre vie. Il est bon de faire un effort pour bien imaginer le moment où nous quitterons ce monde. Ce sera le moment où le temps de notre mérite s'achèvera et où nous irons recevoir le paiement de nos œuvres. Il sera différent selon que nous serons morts en état de grâce ou en état de péché. Une éternité de joie s'ouvre devant nous, où à nos pieds un abîme éternel se trouve également. Il est donc juste de dire qu'à chaque instant, nous avons entre nos mains toute notre éternité. Nous devons savoir comment décider en conséquence. Pour cela, il est bon d'envisager notre mort, de considérer que nous n'avons pas à vivre dans ce monde indéfiniment. Pour ceux qui le trouvent utile, ces mots de notre Seigneur dans l'Évangile de Saint-Luc qui peuvent être utilisés comme un prélude, comme composition de lui aussi pour cette méditation. C'est le chapitre 12 de Saint-Luc, le verset 15 à 21. Puis Jésus dit, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est dit Jésus-Christ. Et il leur dit cette parabole, notre Seigneur. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il s'est dit, voici ce que je veux faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai des plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, conclut Jésus, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vie de Dieu. Le second prélude, comme nous savons, consiste en demander à Dieu, notre Seigneur, ce que je veux et ce que je désire. En ce cas, il sera de demander la grâce d'une bonne mort
demandé aussi en reliant cette méditation à la première semaine que nous étions en train de passer, de vivre, la grâce qu'envie de notre mort, nous puissions aborder tout ce qui est désordonné en nous. Tout ce qui peut faire de notre mort un moment sans la joie et sans la paix avec lesquels les saints le vivaient. Obtenir cette grâce est le but de la méditation et nous devons la demander à Dieu de nombreuses fois pendant toute la prière et aussi en dehors de la prière. Et pour faire cette méditation, je vais vous proposer trois points. Le premier est le suivant. La mort est certaine. La mort est certaine. Il y a peu de choses dont nous sommes si sûrs dans notre vie que nous allons mourir. Un enfant est né et on peut supposer qu'il sera avocat, un autre dira qu'il sera médecin, d'autres diront qu'il sera religieux. Nous ne savons pas ces choses. Mais s'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que cet enfant mourra un jour. Nos biens et nos maux sont incertains, dit Saint Augustin. Mais une chose est certaine, la mort. Personne ne peut échapper à la mort. On peut résister au feu, dit Saint Augustin aussi. On peut résister à l'eau et au fer. On peut même résister à la puissance des princes. Mais qui peut résister à la mort? Et Saint Alphonse, dans son livre « Préparation à la bonne mort », écrit ce qui suit. « Oui, mon cher lecteur, puissiez-vous vivre autant de temps que vous le désirez. Il doit néanmoins arriver un jour qui sera le dernier. Et dans ce jour, une heure qui sera votre dernière heure. Pour moi qui écris ces lignes, pour vous qui les lisez, le moment est déjà fixé où je n'écrirai plus, où vous ne lirez plus. Quel est l'homme qui vivra et qui ne verra pas la mort, dit le psaume 88. La sentence est portée et jamais il ne s'est rencontré un homme assez insensé pour se promettre d'échapper à la mort. Le monde d'aujourd'hui, dans sa folie, veut cacher la vérité de la mort. Précisément, lorsque Maradona est mort, beaucoup ont été entendus dire qu'ils pensaient qu'il ne mourrait jamais. À l'époque où nous vivons, où la folie sanitaire s'est déchaînée, il y a des milliers de règles pour éviter de mourir et très peu de voix pour nous rappeler que l'important est d'être prêt à bien mourir. Car les mesures sanitaires qui peuvent être prises nous donneront tout au plus quelques années de plus. Et ensuite, le monde d'aujourd'hui a perdu le caractère sacré de la mort. Les saints profonds du réel sur l'éternité. Les morts sont oubliés. Ils ne sont pas accompagnés. On ne prie pas pour eux. Et pourtant, la mort est implacable et continue de venir un par un pour nous tous. Deuxième point pour méditer, le moment de la mort est incertain. Tout comme nous avons la certitude totale que nous allons mourir, nous avons aussi une ignorance totale du jour et de l'heure où Dieu nous appellera, où notre âme se séparera du corps pour aller comparaître devant le juge divin. C'est pourquoi dit notre Seigneur dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, « Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêt, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Nous pouvons penser au nombre de morts subites, de jeunes, de personnes âgées, de personnes en bonne santé, de personnes malades, de bonnes et de mauvaises personnes, de riches et de pauvres. À tout moment, la mort prend un nouvel otage de la manière la plus inattendue,
Il suffit de lire les journaux pour se rendre compte à quel point la mort peut être si prenante dans certains cas. D'où le commandement de notre Seigneur qui nous assure la santé éternelle. Veillez et priez. En tout temps, veillez et priez. Et un troisième point, se découle des autres, nous devons nous préparer. La mort est certaine. Le moment de la mort, c'est incertain. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Si le fait de la mort est quelque chose de si certain, et le moment de son arrivée, quelque chose de si inconnu, il est logique que nous soyons toujours consciemment préparés à bien mourir. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous préparer à bien mourir. Et voici quelques exemples, quelques signes. D'abord, pensez à la mort. Pensez à la mort. Souvent. La Sainte Écriture dit, quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin. Et jamais tu ne pécheras. Puisque la mort va être le jour le plus important de notre vie, parce que c'est le jour où nous mettons en jeu notre éternité, alors nous devons nous préparer au mieux à la recevoir. Nous pouvons aussi faire de bonnes œuvres pour nous préparer à la mort. Plus important, la quantité d'argent et de biens qu'une personne possède à sa mort, elle n'emportera rien avec elle. C'est le bon, c'est bon les actions. Nous ne devons pas oublier que comme nous l'enseigne la Sainte Église, telle est notre vie, telle est notre mort. Si nous vivons saintement, nous mourrons saintement. Si nous vivons dans le péché, nous mourrons dans les péchés. Sicut vita, finis vita. On peut dire que dans chaque travail que nous faisons, nous gagnons le ciel ou l'enfer, car nous ne savons pas quand Dieu nous appellera. Et nous pouvons aussi vivre, c'est un très bon exercice, de vivre comme si nous allions mourir à chaque instant, au séjour. On raconte que dans un moment de récréation, on a demandé à Saint Dominique Savio ce qu'il ferait si on lui disait qu'il allait mourir à ce moment-là. Et il a répondu avec un naturel total qu'il aurait continué à jouer car il était convaincu qu'il faisait la volonté de Dieu à chaque instant de sa vie. Cela devrait être notre disposition de penser. Et si la mort venait, elle nous trouverait en train de faire ce que Dieu veut de nous, de travailler, d'étudier, de jouer, d'aider, de servir les autres, quoi que ce soit, qui soit notre devoir à chaque instant. Et pour avoir cette sérénité, il faut faire un grand effort, se vanter soi-même et avoir le cœur bien ancré dans l'éternité. Tout ce que nous avons à demander dans cette méditation. Le colloque final se fera avec les pères et les fils en leur demandant les grâces de cette méditation. Et nous pouvons dire à Notre-Dame cette prière de Saint Alphonse. Ô Marie, voici qu'un malheureux esclave de l'enfer se jette à vos pieds pour implorer votre pitié. À la vérité, il ne mérite aucune faveur. Mais vous êtes la mère de la miséricorde. Et c'est envers les plus indignes que la pitié s'exerce plus particulièrement. Tout le monde vous proclame le refuge et l'espérance des pécheurs. Vous êtes donc mon refuge et mon espérance. Je suis une pauvre brebis perdue. Mais pour sauver les brebis perdues, le Verbe éternel descendit du ciel et se fit votre fils. Et maintenant, il veut que je recours à vous et que vous me secouriez par vos prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ô Sainte Mère de Dieu, priez pour tous. Priez aussi votre Fils pour moi. Dites-lui que je suis votre fidèle serviteur et que vous m'avez pris sous votre protection. Dites-lui que j'ai mis en vous toutes mes espérances. Dites-lui qu'il me pardonne. Dites-lui que je me repens de toutes les offenses dont je me suis rendu coupable envers lui.
dites-lui, et s'inspirant de la miséricorde, il me donne la sainte persévérance. Dites-lui qu'il m'accorde la grâce de l'aimer de tout mon cœur. En un mot, dites-lui que vous voulez me sauver, car il fait tout ce que vous voulez. Ô Marie, mon espérance, je m'abandonne à vous, ayez pitié de moi.